Bonsoir. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai récupéré la sainte imprimante LV3D. D'ailleurs, je remercie beaucoup Karl de chez LV3D, je te fais une grosse dédicace, merci à toi, parce qu'on est partenaire avec LV3D, il m'a réglé mon imprimante aux petits oignons, il nous a fait un truc de fou, vous allez voir. Parce que je vous explique deux petites secondes, ça, c'est avec une imprimante mal réglée, regardez. On va pas se mentir, c'est franchement pas terrible. Et ça, c'est avec une imprimante bien réglée. Petit hand spinner Batman qui tourne super bien. Et franchement, ça déchire. Regardez ça, la finition du hand spinner, il est juste magnifique. Sans aucun post-traitement, il est sorti comme ça de l'imprimante. Après, je veux dire, il y a plusieurs façons d'imprimer les trucs. On va y revenir. Bref, aujourd'hui, les gens, je voulais vous faire un petit top 5 de mes spinners que j'ai imprimé en 3D avec la LV3D. Et franchement, c'est un truc de fou, vous allez voir. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car va y avoir une petite surprise, comme par exemple, peut-être, gagner un hand spinner. Je sais pas, moi. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, petit top 5 de mes hand spinners imprimés en 3D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du moins beau et on va aller jusqu'à celui que je kiffe le plus. Eh ouais. Numéro 5, on a imprimé celui-ci. C'est un hand spinner à tête de dragon. Alors, je vous dis, hein, j'ai pas tous les roulements de hand spinner pour l'instant. Donc, j'en ai commandé quelques-uns. Donc, ils sont pas tous fonctionnels. Pourquoi je le mets à la cinquième position, celui-là? C'est tout simplement parce qu'en fait, je me suis trompé dans l'échelle quand je l'ai imprimé. Et du coup, ça fait vraiment un tout petit hand spinner. Mais vraiment, il est tout petit, quoi. Et du coup, j'ai dû mal régler l'imprimante. Alors, je me suis un peu foiré à l'impression. Donc, faudrait faire un petit peu de post-traitement. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, si la caméra elle veut focus. Donc, vous voyez qu'entre les têtes de dragon, il y a un petit peu, il y a eu un petit peu de bavure, quoi, vite fait. Bon, ça, après, ça s'enlève avec du papier de verre très facilement. Notamment avec ce genre de papier de verre. Donc, ça s'enlève vraiment très simplement. Vous avez juste à passer des petits coups de ponçage comme ça. Peut-être entre les têtes et tout. Et puis, après, les bavures s'enlèvent, c'est nickel. Donc, voilà, je l'ai mis à la cinquième position parce que, tout simplement, je me suis trompé dans l'échelle d'impression, je l'ai vraiment fait tout petit, donc voilà. Cinquième position pour ce hand spinner à tête de dragon. À la quatrième position, ce petit hand spinner fait avec des pièces de 10 centimes. Il est plutôt sympa, voilà. Il tourne pas trop mal, ça va. Alors il est pas très bien équilibré parce qu'en fait, si vous voulez, il aurait fallu que je mette 4 pièces de 10 centimes devant comme ça et que j'en mette également 4 à l'arrière pour bien l'équilibrer. Le problème, c'est que j'avais plus de monnaie. Et voilà, c'est un petit peu con. Sinon, j'aurais pu mettre des billets de 500 aussi. Peut-être qu'il aurait bien tourné, je sais pas. Voilà. En tout cas, il est vraiment bien. Voilà, je l'ai mis à la quatrième position. Plutôt sympa. Troisième position pour ce hand spinner cranté. Donc celui-ci, il a pas de roulement. Mais il a l'air de bien tourner, si j'en avais. Voilà. Et il est plutôt bien foutu. Franchement, quand vous regardez comme ça, il est cranté et tout. Il est vraiment bien fini, il est sorti comme ça de l'imprimante 3D. Pareil, sans post-traitement, sans rien. Il est plutôt banal, mais je peux vous dire qu'une fois qu'il y a les roulements dessus, ce genre de machin, on ne l'arrête plus et il est parti... Laisse tomber mon vieux. Un truc de fou. Bon, je fais une petite parenthèse vite fait les gens, faut savoir que pour imprimer ce genre de hand spinner, il faut environ, on va dire, plus ou moins 50 minutes. Selon la façon dont laquelle vous imprimez votre hand spinner. Après, il y a plusieurs sortes d'impressions. Il y a les impressions creuses, c'est-à-dire qu'au lieu que votre truc il soit rempli, ça va être plus sous forme de coque. Bon, pour un spinner, vaut mieux le faire rempli. Après, si vous imprimez des grosses pièces, vous pouvez très bien les faire sous forme de coque. Moi, perso, les spinners, je les imprime remplis à 17%. Après, vous avez l'option vraiment renforcée, c'est-à-dire que là, c'est rempli de chez rempli. Donc, c'est l'option qui va vous prendre le plus de temps à imprimer et également l'option qui utilise le plus de filaments, forcément. Après, une fois de plus, vous avez l'option impression rapide, c'est-à-dire ça va être une impression grossière, va y avoir du post-traitement, va falloir poncer un petit peu pour que ce soit lisse. Va y avoir une impression standard, ça va être entre les deux. Et va y avoir une impression fine, moi c'est ce que j'utilise. Donc voilà, là ça vous sort des trucs vraiment parfaits, vous avez besoin d'aucun post-traitement et tout, c'est nickel. Voilà, c'était la petite parenthèse, bref, ce hand spinner est à placer en numéro 3. Un truc de fou mon vieux, il est trop bien. Et j'ai pas de roulement, c'est dommage. Numéro 2, encore une fois, j'ai pas de roulement pour celui-ci, mais c'est le hand spinner overboard. Et franchement, il est plutôt bien foutu. Regardez, j'ai même imprimé le bouton qui va avec. Et donc le hand spinner overboard qui est là.
Et franchement, je le trouve vachement original. Je suis sûr que si je lui mets des roulements, ça va rouler super bien. Là, vraiment, j'ai commandé des roulements, donc ça devrait être nickel dans pas longtemps. Logiquement, ça devrait tourner comme ça. Bon, bah là, il n'y a pas les roulements. En fait, il suffit juste... Regardez, ça a été imprimé de telle façon à ce que vous insérez votre roulement ici. Vous en mettez un ici, un au milieu. Et puis après, roulez-boulez, quoi, c'est parti. Bon bah là il n'y a pas le roulement. Mais vraiment je l'ai mis en numéro 2 parce que je le trouve super original. C'est un petit hand spinner overboard. Ce qui est bien les gens, c'est qu'avec l'impression 3D vous pouvez vraiment rendre votre hand spinner unique. Vous pouvez en imprimer un que personne d'autre a. Après faut être bon en modélisme 3D et tout. Ça je sais qu'il y a des personnes qui sont bons dans le dessin et tout, il n'y a pas de souci. Mais vraiment c'est bien parce que vous pouvez faire vraiment beaucoup beaucoup de choses. Notamment ce petit hand spinner Batman que j'ai placé à la première place. Il est vraiment super bien fait. Voilà. Tac. Regardez ça. Il est vraiment très bien fini et tout. Je l'ai placé à la première place. Regardez-moi ça, ce hand spinner Batman. Il est juste magnifiquement bien fait. Hop là. Impeccable. Alors pareil, celui-ci m'a pris environ, 50 minutes à imprimer. Voilà. Je le trouve vraiment original. Il n'y en a pas spécialement des beaucoup comme ça. Les plus qu'il y a, c'est des hand spinners standards. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le classement, mais il y a celui-ci. Mais bon, celui-ci, c'est un hand spinner standard, mais il est vraiment très bien fait. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Je l'ai imprimé avec du filament doré. Donc vraiment, regardez ça, la finition, elle est juste parfaite. Après, bon bah celui-là, c'est plus un hand spinner standard, on va dire quoi. Voilà. Celui-là, c'est les banales, il y en a partout. Mais vous pouvez les imprimer en 3D. Celui-ci a été imprimé avec mon imprimante 3D. En tout cas les gens, tout ça pour vous dire qu'avec l'impression 3D on peut faire des tas de choses, autant des choses utiles que des choses inutiles. Je suis vraiment super content d'avoir récupéré mon imprimante 3D parce que depuis le temps que je l'avais à la maison, là elle est enfin super bien réglée. Donc merci à Karl de chez LV3D. D'ailleurs vous avez sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner chez lui si vous êtes passionné par la 3D et tout. Il y a tout dans la description les gens. Alors également je lance un concours sur Twitter pour gagner un hand spinner, je vais pas les garder pour moi. Je vous fais gagner bien sûr les deux meilleurs, ceux qui ont les roulements, soit celui-ci, le Batman, soit celui-ci, le banal. Donc après, c'est à vous de choisir dans les commentaires. Dites-moi lequel vous voulez gagner dans les commentaires, lequel vous préférez, soit le Batman, soit le banal. Ensuite, le concours se passe sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Il vous suffit juste de follow le compte Twitter et de retweeter le post. Et bien sûr, il y aura un tirage au sort dans quelques jours. En tout cas, ces deux-là, ils sont vraiment super top. Un truc de fou. Ils tournent super bien. J'ai évité de les casser mon vieux avant de les faire gagner parce que je vais me faire taper sur les doigts. Alors aussi les gens, je voulais vous parler quand même de cette petite impression qui est juste magnifique. C'est un truc de fou. Elle est vraiment super bien réalisée. Regardez, en fait j'en ai deux comme ça. Voilà, je l'ai sorti en une fois. En fait si vous voulez, faut les mettre comme ça. Voilà, ça se met comme ça. Et là en dessous il y a deux petits trépieds à mettre comme ceci de chaque côté. Mais par contre, faut que je les colle au stylo 3D. Parce que j'ai également un petit stylo 3D. Et du coup, je m'en sers beaucoup pour réparer mes impressions et tout des fois. Donc voilà. En tout cas, il est super bien fait. Je sais pas si vous l'avez reconnu. C'est la Triforce de Zelda. Et il est vraiment top de chez top quoi. Alors je vous donne une petite idée les gens. Ça, il y en a pour à peu près 8 heures d'impression. En mode impression fin, impression remplie à 17%. Il y en a pour à peu près 8 heures, voilà. Donc ce qui est quand même relativement long hein. Mais par contre vous êtes vraiment satisfait quand ça sort de l'imprimante. Et c'est vraiment super beau à voir quoi, c'est un truc de fou. Alors là je vous dis, je vais commencer à m'attaquer à vraiment du très gros en impression 3D. Je vais faire vraiment des pièces, le genre de truc qu'il y en a pour plus de 100 heures d'impression, obligé. Ça va être des pièces à assembler en plusieurs fois. Donc vraiment là ça va être un truc de fou. Juste pour vous dire que il n'y a pas que des hand spinners à imprimer ou des petits objets et tout. On peut vraiment faire des trucs de taré. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour qu'on parle de tout ça en live. On pourrait faire ça très prochainement. Là tout est préparé, mon imprimante, j'ai les filaments, j'ai tout mon vieux, un truc de fou. Je suis équipé de A à Z. Vraiment ça pourrait être super cool de se faire des petits lives à la LV3D, hashtag plagiat LV3D. Mais on est une équipe chez LV3D, on est soudés et ça c'est super cool. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par tout ça. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit concours. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.